m'appelle Emmanuelle, j'ai 25 ans, je viens de Lille. J'ai fait un master relations interculturelles coopération internationale et j'ai décidé de partir faire un stage Erasmus+ avec l'ADIS parce que je voulais développer mes compétences professionnelles dans mon domaine avant de m'engager réellement sur le marché de l'emploi. Donc je suis partie 6 mois à Palerme, donc la capitale de la Sicile, au sein de la structure Per Esempio. Donc moi, je suis partie donc en stage donc professionnel, Erasmus+, et l'objectif, c'était de développer mes compétences dans la gestion de projets européens. Et donc j'ai pu aider à rédiger les volontaires qui étaient sur place, rédiger un Youth Exchange, un échange de jeunes. Donc le thème, c'était la démocratie, la citoyenneté. Et ensuite, c'était aussi des travaux de recherche de partenaires pour les projets et faire de la recherche en fonction des thématiques. Et là, ils avaient 2 projets qu'ils souhaitaient mettre en place. Donc, c'était créer des outils pédagogiques pour aider à l'intégration des migrants et des réfugiés. Parce que dans ma précédente expérience en France, j'avais vraiment un contact avec les jeunes, de l'accompagnement en plus de la gestion de projet. Et là-bas, c'était que de la gestion de projet, donc derrière un ordinateur de façon autonome, et ce qui m'a manqué, c'était vraiment le contact humain et le relationnel avec les jeunes. Donc ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais besoin à la fois de la partie technique, gestion de projet, mais aussi le contact humain. Mais après, sinon oui, mes objectifs ont été accomplis au niveau professionnel, mais aussi linguistique en anglais et en italien. Donc je m'appelle Samuel Poudrou, donc j'ai 27 ans. Je suis parti effectuer un stage Erasmus+ VET à Londres. J'ai été effectué chez Kairos Europe, qui est un organisme de formation et qui est impliqué dans beaucoup de projets européens. Donc pour résumer mon parcours avant d'effectuer ce stage, j'ai obtenu mon master entrepreneuriat management de projet. J'ai toujours souhaité réaliser un stage à l'étranger afin d'améliorer mes compétences linguistiques, mais pas seulement. Mon but étant de découvrir de nouvelles méthodes de travail. En gros, les réunions se passaient avec beaucoup de pays, partenaires européens. J'ai trouvé ça très enrichissant parce que ça m'a obligé à me remettre en question. J'étais une personne qui avait du mal à faire confiance à mes collègues, à mes collaborateurs. Et le fait d'être parti à l'étranger, ça m'a permis, au travers de ce stage, d'apprendre à m'adapter et d'apprendre à apprendre des autres.